La dégradation des quartiers anciens, le secrétaire d'État chargé de l'urbanisme a pu constater ce matin que la tête du bouchon de Champagne n'y échappe pas. On a quelques centres-villes, quelques poches dans un certain nombre de centres-villes qui se sont dégradés parce qu'on avait des propriétaires qui n'avaient pas les moyens de faire les travaux. Et donc au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, vous vous retrouvez effectivement dans cet état-là. La puissance publique, évidemment, n'est pas là pour intervenir en lieu et place des propriétaires privés au quotidien. Mais il y a un moment où la puissance publique se dit, on ne peut pas laisser des centres-villes dans cet état-là. Et donc on met en place un programme spécifique pour avoir une reconquête complète de l'ensemble du centre-ville. Une reconquête complexe car la remise en état d'habitats anciens s'avère parfois plus coûteuse. Au cœur de Troyes, sur 10 000 logements, 2500 à 3000 sont vacants. Ça coûte à rénover. Chacun cherche une situation de confort supérieure en termes de logement. Donc ça entraîne des frais importants en termes de réhabilitation, avec des surcoûts notamment dus aux contraintes architecturales, c'est vrai. Mais c'est pour ça que la ville et l'agglomération se portent sur ce problème-là au cœur du bouchon de Champagne, parce qu'il faut absolument résoudre cette équation. Troyes a été lauréate avec 24 autres villes de l'appel à projet requalification des quartiers anciens dégradés. Ce matin, l'État s'est engagé à apporter une contribution de 10 millions d'euros. Ça vient en complément de ce que nous faisons dans tous les quartiers de la ville avec la rénovation urbaine. Ça vient en appui de ce qu'on fait depuis une quinzaine d'années de requalification du centre ancien. Et ça nous permet en fait définitivement de résorber les derniers logements soins insalubres, soins en arrêté de péril qui existaient encore. L'État a mis en place au niveau national une politique de lutte contre les quartiers anciens dégradés. Et ça nous permet au fond d'avoir une cohérence sur l'ensemble du territoire et de traiter également de manière très très utile le bouchon de Champagne qui, je le rappelle, est quand même le point de départ du cœur historique de la cité troyenne. La visite de la tête du bouchon a duré une heure, taux de chômage de 10%, revenus faibles. D'après le secrétaire d'État, ici, ce type de situation trouvera une solution définitive grâce à une réflexion d'ensemble. Mais si on veut avoir une approche pour faire revivre complètement un quartier, à ce moment-là, il faut pouvoir traiter toutes les rues, pouvoir traiter l'ensemble des immeubles qui sont dégradés, pouvoir traiter de l'implantation commerciale, de l'activité économique, pour faire revivre complètement un quartier. Il faut qu'on arrête de segmenter. C'est pas simplement une approche logement d'un côté, c'est pas simplement une approche transport de l'autre. Un groupe de travail réfléchit à cette réhabilitation urbaine de la tête du bouchon de Champagne. Le recteur de la cathédrale de Troyes en a profité pour glisser son souhait de voir disparaître le parking de la cathédrale.